Bonjour tout le monde, très heureuse aujourd'hui de vous accueillir dans nos murs à la HEG, à la Haute École de Gestion de Genève. Aujourd'hui et en cette semaine spéciale, la Semaine internationale des archives, on vous invite aujourd'hui à fêter ensemble cette semaine avec un événement spécial pour nous, le lancement de notre laboratoire Archilab. Nous avons donc choisi de vous inviter aujourd'hui autour de cette thématique, la coopération au cœur de notre formation archivistique, une heure de temps durant laquelle on va échanger, on va discuter, on va aussi profiter de l'expérience et de l'expertise de nos partenaires. Alors, donc, je vous invite au programme suivant. D'abord, on va commencer avec une partie introductive qui va être donc démarrée avec un mot de bienvenue et aussi l'inauguration officielle de notre Archilab avec une première intervention de notre directeur, le directeur de la Haute École de Gestion de Genève à la HESSO Genève, Monsieur Andrea Baronzini. Après quoi, on vous invite aussi à regarder une vidéo qui va vous amener et donc qui va vous inviter à visiter un peu l'Archilab chez nous à la HEG à Genève. Une vidéo qui va vous présenter tout ça, suivie par une courte présentation de ma part et de la part de notre responsable de filière, Monsieur René Schneider, le responsable de la filière information documentaire. Dans la deuxième partie de notre rencontre, à partir de 10h30, on va poursuivre avec une discussion avec nos invités que je remercie vivement et sincèrement pour avoir dégagé du temps pour nous aujourd'hui. Nous avons avec nous aujourd'hui Monsieur Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Bodmer, Monsieur Alain Dubois, président de l'Association des archivistes suisses, et également archiviste d'État, archiviste cantonal du canton de Valais, Monsieur Ivo Yossiger, qui est le PDG de For Digital Books, et aussi Monsieur Frédéric Sardet, directeur de la Bibliothèque de Genève. Nous avons la chance d'accueillir tout ce monde-là pour avoir un retour et d'expérience de différentes institutions patrimoniales avec qui on partage l'intérêt et évidemment l'expertise de la gestion des données dans divers contextes patrimoniaux. Donc, sans plus tarder, j'accorde tout de suite la parole à notre directeur pour poursuivre avec ce premier mot officiel. Merci beaucoup, Basma. Bonjour à toutes et à tous. La Haute École de Gestion de Genève, elle fait partie de la Haute École spécialisée de la Suisse occidentale, HESSO. Notre école offre des formations de niveau bachelor et master, à plein temps ou en emploi, qui débouchent sur des diplômes universitaires qui sont reconnus par la Confédération suisse et qui répondent aux besoins de l'économie et des administrations publiques dans une logique, et c'est très important, dans une logique de métier. On nous appelle aussi d'ailleurs à l'Université des métiers. La HEG Genève est une des plus grosses écoles de gestion de la Suisse romande. Elle est composée par quatre filières ou quatre départements. Économie d'entreprise, International Business Management, Informatique de gestion et Information documentaire. La création du laboratoire d'archivistique, Archilab, par la filière information documentaire, contribue à renforcer notre centre de compétences dans le domaine des sciences de l'information. Archilab est vraiment au cœur des missions de la HEG Genève, car il va permettre de donner aux futurs professionnels de la donnée, de l'information et du document, des cours, de manière à simuler les pratiques d'une vraie archive. Les étudiantes et les étudiants sont aussi en mesure d'apprécier, de comprendre les métiers qui sont en relation avec l'archivage. Mais Archilab permettra aussi de tisser des collaborations avec le monde académique national et international.
en sachant qu'actuellement, à l'international, l'HEG Genève a conclu des accords de partenariat avec 161 universités dans 47 pays, dont 19 accords de partenariat spécifiquement pour et avec la filière information documentaire. Grâce aux investissements effectués, Archilab permettra aussi de bâtir des collaborations avec les entreprises, les collectivités publiques, les associations professionnelles et les organisations qui ont besoin de réfléchir, analyser ou mettre en place des politiques d'archivage. Nous allons maintenant projeter une courte vidéo d'environ 5 minutes qui résume brièvement Archilab. Et ensuite, comme annoncé par Basma, les présentations et les débats suivront. Merci beaucoup pour votre attention et je me réjouis des futures collaborations que nous pourrons bâtir ensemble grâce à Archilab. Merci. L'archivistique est un domaine qui s'occupe de la gestion rationnelle et sécurisée de l'information, des documents et des données. Fortement axées sur la pratique, les formations de l'HEG Genève visent à rendre le plus efficace possible le transfert des nouvelles connaissances à la réalité du terrain. Notre formation, elle a été créée à Genève il y a 100 ans et elle est encore la seule formation dans le domaine de la bibliothéconomie et de l'archivistique en Suisse romande. Archilab est une nouvelle structure qui est dotée de deux locaux, une salle de cours meublée et dotée de 20 postes d'ordinateurs, équipée de plusieurs logiciels documentaires, de classement, d'évaluation, de structuration de données, et un atelier dans lequel on va voir tout un processus de numérisation. Ça permet de prendre en charge les documents dès leur création jusqu'à leur sort final, en passant par l'évaluation, la description, la classification, la diffusion et la valorisation, voire la conservation permanente. Le laboratoire d'archivistique permet de développer des partenariats publics-privés ou bien entre académiques et professionnels pour répondre à la demande des organisations en fournissant des prestations de services à haute valeur ajoutée. Un archiviste aujourd'hui, il ne travaille pas seulement avec des documents, mais aussi avec des données. Et pour simuler ce travail qui se fait dans le numérique, nous avons besoin d'une infrastructure avec des machines, des logiciels. Quoi de plus durable que former les futurs étudiantes et étudiants avec les dernières technologies numériques de manière à archiver notre patrimoine pour le transmettre aux générations futures? Ici, on a modélisé tous les postes nécessaires au traitement des documents pour Archilab. Donc tout d'abord, on commence par les stations d'accueil. On peut recevoir jusqu'à 6 cornets. Le but, c'est de les sortir et de pouvoir avoir la vision d'ensemble des documents qui vont ensuite être scannés. Le but du scannage, c'est de pouvoir passer du papier à l'électronique. L'intérêt d'avoir un scanner aussi performant, c'est de pouvoir capter l'ensemble de toutes les pièces qui composent le dossier. Alors le poste 3, c'est le traitement d'image. On va vérifier que le document a bien été scanné en entier. On va vérifier si la qualité de l'image est bonne, si la couleur est bonne. Étape 4, c'est celle de l'ossérisation. C'est la reconnaissance optique des caractères, ce qui va permettre après de manipuler le texte et de faire plein de choses avec. La prochaine étape, c'est de mettre en place ce qu'on appelle les métadonnées. C'est en fait des étiquettes qu'on va mettre au document. Une étiquette, par exemple, pour dire quel est son auteur, quelle est la date du document, qu'est-ce qu'il contient, etc., etc. Donc en cinquième étape, après le traitement physique et le traitement intellectuel de l'image, arrive l'étape de structuration. Cette structuration, le but, c'est de classer, de ranger les fichiers numériques, nos différents dossiers et sous-dossiers, pour obtenir ainsi une espèce d'arborescence, une structure des fichiers et des dossiers. Ces dossiers et fichiers, une fois structurés, sont alors stockés dans un espace particulier et réservé donc, d'un point de vue informatique, donc sur des serveurs de fichiers. Et il se passe également un stockage au niveau du papier. En effet, une fois préparé, trombone enlevé, agrafe enlevé, dans du papier particulier dit non-acide,
Les documents sont également stockés au format papier. Ils arrivent ensuite dans notre armoire métallique de stockage. Ça permet mieux de comprendre, ah ben ces métadonnées, on les met comme ça parce qu'on a fait telle démarche. Ça nous permet de mettre la théorie en pratique. On peut faire plus, on peut s'entraîner à travailler avec différentes sortes de software. Je pense que ça peut être que bénéfique pour justement convaincre un employeur. Excellent. Donc, René, si tu voudrais bien prendre la parole. Oui, avec plaisir. J'avais juste un problème de trouver la souris. Alors, merci de me donner la parole pour parler un peu de ce joli projet. Je vous rends encore une fois attentif au fait qu'on est la seule école à former des archivistes en Suisse romande. Il y a encore une autre école en Suisse alémanique, au Grison, à Coire, qui ont également des laboratoires, mais ils sont plutôt orientés vers l'utilisabilité. Donc, ils ont un laboratoire utilisabilité, un autre qui est plus orienté vers la numérisation seulement. Et donc, nous, avec ce joli labo, nous serons les seuls en Suisse à avoir un labo archivistique. Mais pour moi, c'est aussi juste le premier pas, le premier projet qui met vraiment la pratique encore plus dans au cœur de la formation. Et c'est vraiment notre but de renforcer le lien avec la pratique. Mais comme vous le savez, un tel projet ne se fait pas seul. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vraiment remercier, je crois, Basma, si tu pouvais couper ton micro. Oui, je crois que c'est un peu plus agréable maintenant pour les personnes qui nous écoutent. Merci. Donc, comme j'ai dit, un tel projet ne se fait pas seul. Et dans un premier temps, tout d'abord, je dois remercier notre directeur, Andrea Baranzini, qui a été vraiment un facteur d'accélération. Dans les quelques mois depuis qu'il a pris ce poste, on a vraiment eu un très grand, fort soutien pour réaliser ce projet qui, en tant que projet et idée, a déjà une très longue tradition ou histoire, disons histoire. Ça nous a vraiment pris des années pour le réaliser. Et du coup, tout allait très rapidement. J'aimerais bien aussi remercier d'autres personnes de la direction comme Gordon Eschemann, Olga Buzzoni et aussi Claire Baribo, la prédécesseur d'Andrea. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi une équipe ici, l'équipe des économas, qui était un très grand soutien, Nicolas Van Osten, Guy Vider, Philippe Rimbaud et Jean-Marc Lana, et également Laurent Cornalia, et aussi l'équipe informatique, parce qu'il y avait beaucoup de choses à changer en ce qui concerne l'équipe informatique. Rémi, je crois que tu es en ligne, merci beaucoup, Rémi Durafour et Johnny Neves et Michel Guillet. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup de personnes qui avaient aussi les mains dans le cambouis, comme on dit ça. J'ai appris cette expression et elle me plaît beaucoup. Et je crois que j'ai dit l'essentiel. Cette laboratoire va nous permettre de favoriser les collaborations avec le milieu professionnel. C'est vraiment quelque chose qui est orienté vers les étudiants, tout d'abord, non, pour passer à une formation qui est plus adaptée et très orientée vers le numérique, mais qui est aussi ouvert aux entreprises, aux ONG, ainsi que les établissements de recherche et d'enseignement qui peuvent nous solliciter pour travailler avec nous et les étudiants sur leurs projets d'archivage. Et on est déjà très fiers
que même avant l'ouverture, on a reçu la première demande pour un mandat qu'on a repoussé un peu au mois de septembre. Donc, je conclue en disant simplement que cette ouverture vers les étudiants et l'extérieur est une vraie plus-value pour la filière et pour nos étudiants. Et je vous remercie. Merci beaucoup, René. Effectivement, donc la mission de remerciement, c'est une tâche très importante, absolument, et j'ai toujours préféré de commencer par ça. On ne laissera pas les remerciements à la fin, parce que sans ça, sans l'effort de plusieurs personnes ici et d'ailleurs, donc on n'aura clairement pas abouti à cette étape. Donc, juste j'enchaîne avec quelques mots, mais vraiment rapidement. Je ne peux pas donc parler d'Archilab sans remercier vivement et sincèrement toutes les personnes de l'HEG. Et il y a énormément, comme tu disais René, il y a énormément de personnes qui étaient là pour nous soutenir, pour nous aider, pour réaliser des choses qui étaient quasi impossibles, vu la pénurie par exemple de l'électronique un peu partout. On a pu quand même avoir la livraison de nos ordinateurs, de l'infrastructure. Tout était là avant le rendez-vous d'aujourd'hui. Colette, Génie, et aussi toute l'équipe du tournage, Chloé, Franck, et aussi Baptiste, notre graphiste, un très très grand merci pour votre aide. La commit, donc commission informatique, qui a pris le temps d'examiner nos besoins et de répondre favorablement à ce qu'on a demandé. Un spécial merci au président de la commit, Jean Trabichet, Jean-Philippe Trabichet, et ses membres, les membres de la commit. Un grand merci pour Cisco aussi pour nous avoir facilité le travail pour l'octroi et l'exploitation des salles. Kieran, Bryce, merci. Énormément de gens, l'HESSO Genève et l'équipe de l'infrastructure informatique, donc Mathias Schneider, Cyril, Xavier, aussi l'archiviste de l'HESSO, Odile, Valentina aussi qui supervise donc les projets de numérisation et puis de tout ce qui est transition numérique. Un très grand merci et évidemment un très grand merci aux partenaires qui étaient là pour répondre à nos questions, à aider à choisir le matériel, à faire les choix et la modélisation aussi de notre laboratoire donc archivistique. Les archives d'État du Valais, le musée aussi, la Fondation Bodmer, plein de partenaires publics et aussi privés. Et je salue vivement également Ivo Yossiguer pour son appui et ses idées très pertinentes dans ce projet. Donc, alors, Archilab, Donc, évidemment, c'est un projet, comme l'a bien présenté la vidéo, c'est un dispositif qui est proposé pour faire évoluer les enseignements archivistiques de la filière information documentaire de notre école. L'objectif est vraiment d'aider les étudiants à être vraiment en mesure de postuler dans des postes et des fonctions qui impliquent donc des compétences numériques liées à l'archivage. Comme vous le savez, la transition numérique est une réalité. C'est plus quelque chose qu'on peut lire dans la littérature il y a quelques années. Donc c'est un enjeu, c'est un défi également pour nos jeunes diplômés. C'est pour ça qu'on a donc investi dans ce projet, pour d'abord dynamiser les cours archivistiques existants, donc typiquement le cours de Records Management, le cours de classification des données, le cours de l'évaluation des archives. Désormais, on aura des outils avec lesquels on va proposer des ateliers pratiques sur des logiciels et des produits qui permettent d'automatiser ou faciliter un peu la systématisation de ces
fonctions. Juste, je poursuis avec les objectifs et je profite pour remercier vivement aussi Clémence pour son aide et toute l'équipe du secrétariat de l'ICEA et la secrétaire générale du Conseil international des archives, Maria Paola, Clémence, Antea, un très grand merci pour avoir permis et pour nous avoir offert cette occasion pour partager ce beau projet avec une audience élargie et internationale. Donc, pour les objectifs de cet Archilab, on a, comme disait René, il y avait vraiment un souci et un intérêt fort pour l'évolution et le développement et la modernisation des cours archivistiques. On a aussi l'ambition avec ce dispositif de proposer des ateliers dédiés à la numérisation avec une simulation et application pratique. Et également, on va pouvoir assurer la sécurisation des données et de fonds d'archives qu'on reçoit à titre de don ou de prêt de la part de nos partenaires. Donc, dans un deuxième temps, il y a évidemment l'ambition d'étendre notre capacité au niveau des prestations de services dans le domaine archivistique. Il y a une particularité dans les HES, c'est qu'on fournit aussi des prestations de services de consultation ou de formation ou bien de prestations de type numérisation, entre autres, ou bien de consultation sur des aspects liés à l'archivistique, donc les différents aspects. Et effectivement, alors notre idée, c'était d'avoir ça en deuxième temps. Et comme l'a dit René, on a été déjà sollicité pour répondre à des mandats avec un partenaire déjà qui a demandé une aide à ce niveau-là. Ce n'est pas exclu qu'on utilise aussi cette infrastructure pour la recherche et les projets de recherche. Donc concrètement, si on veut reprendre un peu aussi les ressources qu'on a, dans la slide suivante, on peut voir clairement les deux salles, une salle équipée de 20 ordinateurs avec logiciels et tables de traitement. L'atelier en tant que tel, il est donc équipé de 6 postes avec un scanner et logiciel de numérisation, avec armoire de stockage papier également. On a aussi un stockage dédié qui va servir de stockage temporaire durant les ateliers pédagogiques avec les étudiants et un stockage sur une autre plateforme pédagogique qui est interne au site et à l'infrastructure de l'HSSO Genève. Pour la suite, là, il y a quelques images qui vous permettent de voir un peu, de visiter un peu nos locaux. Ça, c'est la salle de cours. Ensuite, vous pouvez voir un peu la configuration un peu de notre atelier de numérisation avec les différents postes de nécessaires pour la réalisation d'une chaîne complète de numérisation. Un petit mot sur le processus d'implémentation, comment on a réalisé ce projet. Comme l'a dit René, c'était quelque chose qui était bien dans nos plannings, nos programmes. Ça a été le feu vert a été donné donc en décembre de l'année passée. Après donc cet accord, on a démarré la réflexion et les travaux sur la réalisation. On a pu choisir en février les locaux. On s'est lancé dans le comparatif du matériel ensuite. Pour avoir ensuite, en mars, une conception de l'atelier complète de la numérisation grâce à l'aide de nos partenaires publics et privés. Ça, je le dis encore merci pour toute cette assistance qu'on a eue de nos partenaires. En avril, on a eu le loquet sur l'achat et l'acquisition du matériel demandé, donc l'équipement informatique. On a aussi commencé le travail sur la page web qui est maintenant disponible, que vous pouvez visiter sans autre et nous suivre avec l'actualité puis les éléments qu'on va régulièrement donc publier sur cette page. Ça va aussi vous permettre de nous joindre et nous communiquer vos besoins ou vos envies de collaboration éventuellement. L'installation s'est faite donc en mai et juin. Aujourd'hui, on assiste donc joyeusement à l'inauguration donc officielle.
Le travail ne s'arrête pas là. L'été va être dédié à la formation de notre équipe Archilab, que je remercie vivement et sincèrement. Aimé Noirjean, Aurèle, donc Nicolet, Cécile Turner, et donc la petite équipe qui est très, très impliquée dans la réalisation de ce projet et qui va poursuivre aussi le travail sur les cours et les ateliers à suivre. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est prêt à démarrer les cours dans les deux locaux, les deux salles, sur notre site ici à l'HEGL, au bâtiment F. Et la rentrée 2021 va offrir clairement une contribution et un enrichissement de nos enseignements archivistiques. Et donc, voilà, c'est fait. On est arrivé à la fin de cette première partie introductive. L'idée, c'est que aussi qu'on prenne quelques questions de notre audience. L'audience, que je pense qu'elle est très, 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 très élargie, assez internationale. Il y a pas mal de collègues africains, aussi français, sinon pas mal du monde francophone qui étaient prêts à nous suivre. Je vois qu'il y a déjà des questions prêtes. Alors, voilà, la première question arrive. Serait-il possible de donner des exemples qui témoignent de la coopération possible avec Archilab? Eh bien, déjà, donc les exemples. René, tu veux que je prenne Alors, trois écrans, ça peut vraiment être une aide, mais si on cherche le micro, c'est pas génial. Et donc, je crois qu'il y a deux possibilités de collaboration. Comme j'ai dit, ce labo, il est pour les étudiants, mais aussi pour les externes. Je crois que c'est aussi comme ça, il y aura la possibilité d'avoir des mandats avec la collaboration des étudiants. Je dirais, on pourrait les appeler les petits mandats, qui rendent visible ou ce qui se fait dans le milieu professionnel pour les étudiants, non? On veut pas exploiter les étudiants, non, sans qu'il y ait une rémunération. Mais je dirais il y aura des petits projets. Il y a aussi les projets qu'on a pendant la deuxième année des études. Donc ça, pour moi, c'est certainement une coopération possible. Et après, il y a la coopération pour des vrais mandats avec le milieu professionnel et tous ceux qui ont besoin d'aide des experts de l'archivistique, hein, avec peut-être un focus sur le numérique. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible. Peut-être aussi, on peut profiter de cette occasion pour rappeler la possibilité aux partenaires et aux milieux professionnels qui peuvent également contribuer à l'enrichissement de nos ateliers en nous offrant des documents qui serviront de test et qui serviront de matériel à utiliser dans nos ateliers. Actuellement, on a une proposition d'une collègue du CICR, et puis on a donc éventuellement la possibilité de numériser par exemple le fonds un fonds de documentaire de quelqu'un qui a fait du travail humanitaire sur terrain, et on pourrait partir sur ce type de collaboration, tout à fait possible. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ok. Est-ce que Archilab se focaliserait uniquement sur le numérique et la numérisation? Alors, je peux vous dire déjà que la réalité documentaire actuelle n'est pas sans papier. Et la complexité de la gestion des données actuelles et la gestion des documents revient au fait qu'on a toujours une situation hybride et mixte. On n'a jamais le zéro papier ou le 100% papier. On fonctionne actuellement avec un monde mixte. On a des arborescences qui sont bien remplies et voilà,
sans parler de niveau de structuration et qualité de gestion numérique. Et aussi, on a un stock papier important et impressionnant, je dirais même envahissant. Donc, la complexité de la gestion documentaire et de la gestion des documents revient à cette complexité, c'est-à-dire qu'on a de tout, la diversité des formats, des supports et évidemment, donc une chose assez évidente, c'est que le papier, il n'a pas la même nature que le support numérique. Et la technicité qu'on a besoin d'avoir et la compétence qu'on veut développer via nos cours et qu'on voudrait passer à nos étudiants, c'est de savoir fonctionner et gérer ce milieu mixte. Pour répondre directement à la question, non, ce n'est pas uniquement numérique, il faut savoir gérer tout cet environnement mixte, à la fois numérique et aussi analogique et papier. Volontiers pour une autre question. Bonjour, voilà, donc sera-t-il possible d'avoir des programmes de stage internationaux de renforcement de capacités à Archilab en présentiel ou même en ligne? Alors, merci beaucoup pour la question qui vient se faire heure de notre collègue africain qui est très actif aussi au niveau d'un collectif d'archivistes africains qui est Archiviste Leader. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Actuellement, on a une activité assez développée au niveau de la formation, au niveau national, mais aussi international, avec l'implication de l'HEG et de la filière information documentaire, dont le programme pour l'Afrique. Comme vous le savez, on a la coordination de ce programme dans son volet francophone et il n'est pas exclu d'envisager des collaborations de ce type-là, donc autour de la formation, certes en ligne possible, alors en présentiel, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement étudier. René. Je crois qu'il y a aussi là plusieurs possibilités. De toute façon, on peut accueillir des personnes, des étudiants ou même des gens qui travaillent déjà pour les faire des stages individuellement. Mais là, en parlant et en lisant cette proposition, il y a aussi cette idée d'école d'été donc, qui me revient, qui existe déjà pour les sciences de l'information. Et je crois que je peux également m'envisager de faire des écoles d'été avec les locaux qu'on a, en présentiel, à distance ou en hybride, comme on le pratique déjà depuis le début de la pandémie. Donc là, je vois beaucoup de possibilités et merci pour cette proposition. Merci beaucoup. Une autre question d'Antea Célès. Merci pour la question, Antea, la secrétaire générale du Conseil international. Quel a été le plus grand défi auquel vous avez été confronté lors de la création d'Archilab et comment l'avez-vous surmonté? Alors ça, c'est un mot partagé. Hein. Peut-être, alors, je ne sais pas. Je crois que le plus grand problème au début, c'était la question des locaux. Parce que vous pouvez vous imaginer, dans une école, dans une haute école, on est toujours en manque de locaux. Hein. Et de trouver un local, c'est difficile parce que normalement, il y a déjà quelqu'un qui a la main là-dessus et qui réclame cet espace. Et là, il faut quelqu'un qui prennent la décision et dit voilà, ces locaux sont maintenant délégués à ce projet-là. Mais ce qui est aussi intéressant, parce qu'on a aussi un très joli projet, le réaménagement et le déménagement de notre infothèque, notre bibliothèque, dans le même, pas le même bâtiment, il y a deux, mais qui sont unis par un troisième. Et là, on est vraiment en train de créer un espace, un grand espace, dédié aux sciences de l'information avec une bibliothèque, infothèque, avec des makerspaces, des salles pédagogiques qui après mènent au laboratoire archivistique. Donc je crois ça c'était pour moi la question la plus importante et le plus grand défi. Et une fois
que cette décision a été prise, tout allait beaucoup plus smooth, non? Mais je veux aussi ajouter que quand il y a une vision et quand il y a un bon projet, avec en plus des gens qui sont dynamiques et engagés, toutes les difficultés peuvent être surmontées. Et là, c'était vraiment le cas. Clairement, dans cette filière, il y avait une vision très claire. Et ensuite, au niveau du portage du projet, il y avait aussi les idées qui étaient extrêmement claires sur ce qu'on voulait faire, pourquoi et pour quel objectif. Et donc, dans ce cas-là, voilà, il n'y a pas de défi qui résiste, si vous voulez, à la volonté et puis à la capacité des aux capacités des personnes qui sont impliquées. Merci beaucoup. Une autre question de Brigitte Troyon du CICR, à qui aussi on doit beaucoup pour son implication dans nos enseignements et son aide au niveau des efforts et puis des activités pédagogiques. Un des grands défis est l'indexation des documents numérisés qui peut prendre beaucoup de temps. Est-ce que vous avez aussi une capacité de tester des nouvelles technologies, par exemple la reconnaissance et donc l'indexation automatique de l'écriture manuscrite? Alors, évidemment, donc l'objectif premier, c'est d'initier les étudiants aux pratiques basiques de la numérisation, incluant l'ossiarisation, qui inclut la reconnaissance des caractères, mais pas seulement. Il y a le volet aussi recherche qui est considéré, qui sera pas loin à être activé dès que possible. Nous sommes très aussi actifs au niveau de la HEG, au niveau de la recherche dans le domaine des sciences de l'information, et en particulier, il y a pas mal de projets des collègues qui sont menés au niveau de ce type de d'expertise, mais en archivistique, je peux vous annoncer avec plaisir l'implication de la HEG et de la filière information documentaire dans un projet très innovant qui est mené par un groupe de chercheurs canadiens et international sur l'automatisation des fonctions archivistiques, dont, entre autres, l'indexation, la description et l'évaluation. C'est un peu la suite du projet Interpares et qui est donc nommé désormais iTrust AI. Donc, on va donc démarrer le travail et puis certainement Archilab sera impliqué d'une manière ou d'une autre, certainement. Alors, je pense que, en tout cas, merci beaucoup pour les questions, pour votre intérêt, pour le temps que vous avez consacré à cette première partie. Restez avec nous, on va poursuivre avec un débat très intéressant avec des invités qui ont des profils variés, mais il y a toujours donc une idée derrière cette configuration. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Bodmer, qui est très impliqué dans le domaine, évidemment, avec son expertise dans le domaine muséal et donc dans le domaine patrimonial également. Il a une très grande expérience et donc dans le domaine pédagogique. Il est professeur de littérature et il est très impliqué également dans nos enseignements puisqu'il propose des projets et des mandats très, très, très intéressants pour nos étudiants, pour qu'ils puissent travailler aussi sur nos problématiques archivistiques. Nous avons avec nous également Monsieur Dubois, Alain Dubois, président de l'Association des archivistes suisses, qui est également archiviste cantonal du Valais et qui est également très impliqué dans nos enseignements, qui enseigne la pérennisation et la conservation à long terme à partir de son expérience très riche dans le domaine du montage des systèmes de pérennisation donc d'archives. Nous avons la chance d'avoir également
Ivo Yiseger, qui est donc très, 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 je pense que il y a pas de doute, il est très connu dans le domaine de la numérisation. On a un expert, mais aussi un inventeur, de machines et de dispositifs et de technologies de numérisation. Et je dois vous dire que si vous comptez explorer un peu les infrastructures de numérisation, il faut absolument passer voir qu'est-ce qu'il y a chez lui. Juste, c'est merveilleux. Merci pour votre présence. Nous avons la chance également d'avoir Monsieur Sardet, Frédéric Sardet, qui est le directeur de la Bibliothèque de Genève, qui est également expert dans le domaine archivistique. Il a chapeauté des structures fusionnées à Lausanne. Il a eu la responsabilité des services d'archives et aussi la bibliothèque de Lausanne. Donc, nous avons vraiment la chance d'avoir une configuration très intéressante qui réunit le monde des institutions patrimoniales. Donc, on a tout pour parler de coopération, en fait. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vraiment vous entendre et avoir votre avis sur la nécessité de la collaboration et de la coopération dans le domaine des institutions patrimoniales. Donc, on peut faire un tour de table. Après ça, on va collecter quelques questions de l'audience qui nous suit actuellement, donc quelques questions du chat. Monsieur Berchtold, si vous voulez ouvrir la discussion. Oui, volontiers. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Basma. Alors, nous sommes très enthousiastes à l'idée de cette inauguration de Archilab. Cette coopération paraît très prometteuse. Dans le cas de la Fondation Martin Bonnemère, il s'agit d'une bibliothèque et d'un musée qui se caractérise par une collection patrimoniale d'excellence. Elle est d'ailleurs classée au programme Mémoire du Monde de l'UNESCO. Et la petite équipe que je dirige, donc 14 personnes, disons que les tâches sont un peu trop grandes. Nous avons déjà un certain nombre de programmes impliquant des partenariats pour la numérisation, numérisation notamment de nos fonds de parchemins médiévaux et numérisation, d'autre part, de périmètres de recherche. Le premier, c'est un programme national avec Ecodikes. Le second, c'est avec l'Université de Genève, le Bodmer Lab. Mais il reste beaucoup à faire, y compris sur la réflexion à mener sur l'optimisation de nos bons choix en matière de numérisation, de politique générale, etc. Nous avons aussi des tâches considérables dans le domaine de la conservation, de l'inventaire, du catalogage. Il s'agit de coter les volumes. C'est une bibliothèque de 150 000 volumes, mais tous ne sont pas du même niveau de qualité d'excellence. Donc là, il y a des classements à faire. Y compris parce que les places dans les compactus de très haute qualité de climatisation et de conservation, les places sont rares. Et donc, il s'agit de se repérer dans la structuration de la collection telle qu'on peut la ranger et telle qu'on peut la retrouver sous forme informatisée dans une arborescence qui correspond ensuite à des modes de rangement effectif. Donc, ce nouage très, très concret entre ce qui va se faire dans le classement et la pratique du terrain, si j'ose dire, est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et puis, alors, nous avons tout un travail de restauration également. Donc, que la conservation, c'est d'une part l'archivage, le classement, la cotation,
et puis ce qui est plus propre à nous, vu la nature des documents dont nous avons la garde, c'est de s'assurer de la restauration. Et ça veut aussi dire que chaque document devrait avoir un suivi de son historicité, un pédigré, que pour chaque document, on suive où il a été prêté, combien de temps, dans quelles conditions d'exposition et quand est-ce qu'il est restauré, etc. Tout ça, ça implique beaucoup, beaucoup d'administration et de bureaucratie. Et c'est avec joie que nous envisageons de très beaux partenariats. Pour résumer d'une formule, nous mettons comme banc d'essai, comme exemple concret d'application très, très volontiers pour une structure comme Archilab. Merci. Beaucoup pour ce retour. Effectivement, donc, des collaborations sont tout à fait possibles et déjà qui ont été discutées tout dernièrement, et on poursuivra très certainement donc dans la même direction qu'on me l'a fait avec les éditions passées des cours qu'on a eu en archivistique. À l'AS, comment on voit les choses, peut-être, Monsieur Dubois? Oui, bonjour Basma, merci beaucoup de cette invitation. Alors, je dirais que la coopération fait partie de l'ADN d'une association. Finalement, sans coopération, une association n'a pas de raison d'être, puisqu'elle est chargée, à un moment donné, de mettre en relation les membres avec l'écosystème archivistique dans le cadre de l'Association des archivistes suisses. Et je pense que cette coopération, cette collaboration, elle fait aujourd'hui sens, ne serait-ce qu'à travers le nombre de membres de l'Association des archivistes suisses qui se monte à près de 1000. Et c'est vrai que l'année prochaine, l'association va célébrer ses 100 ans et j'aimerais pouvoir atteindre ce nombre de 1000 membres. Alors, la coopération, la collaboration avec Archilab, pour moi, fait vraiment sens. Un des objectifs d'une association, à côté de la mise en relation des professionnels entre eux, avec les institutions de conservation du patrimoine, c'est également de maintenir l'employabilité des membres. Et c'est vrai qu'un des reproches qu'on a formulé assez régulièrement à l'encontre des filières de formation était d'avoir une formation qui n'était pas forcément toujours très centrée pratique. Et aujourd'hui, avec Archilab, on a vraiment un outil qui va permettre aux étudiants non seulement d'acquérir un savoir théorique, mais également un savoir-faire pratique à travers l'utilisation des outils de numérisation, mais aussi de records management électronique et de préservation numérique. Et je pense sincèrement que c'est une plus-value qui est décisive, en tous les cas, par rapport aux besoins des institutions à l'heure actuelle. Alors, une association professionnelle, bien évidemment, elle a une coopération, je dirais, à 360 degrés, non seulement avec les services d'archives à différents niveaux. En Suisse, vous avez à la fois des services d'archives publics et privés, mais au niveau public également des services d'archives au niveau communal, cantonal et fédéral. Il y a bien évidemment cette collaboration à avoir avec les institutions de formation. En Suisse, nous avons un système en trois parties. Un niveau de CFC, certificat fédéral de capacité, avec l'apprentissage d'agents en information documentaire. Ensuite, l'université des métiers, comme l'a rappelé tout à l'heure Andrea Banzini, à travers les hautes écoles de gestion à Coire et à Genève, qui mènent au bachelor et au master. Et puis enfin, une dernière strate, ce sont les masters d'études avancées, notamment proposés par les universités de Berne et Lausanne. Et l'Association des archivistes suisses doit collaborer avec ces trois strates de formation. Et puis cette coopération, elle doit aussi se faire avec les autres partenaires de la gestion de l'information, non seulement d'autres associations professionnelles actives dans le domaine de l'archivistique. Il y a des discussions en cours, notamment avec l'Association des archivistes français et l'Association des archivistes du Québec, mais aussi avec les associations sœurs que sont notamment Biblio-Suisse ou l'Association suisse des musées, puisque aujourd'hui, et ça
ça sera mon mot de conclusion. Il faut vraiment, c'est un constat, pardon, le numérique a complètement bouleversé aussi les champs disciplinaires et les frontières que l'on avait avant entre bibliothéconomie et archivistique sont devenues de plus en plus poreuses. Et pour moi, la collaboration est absolument essentielle dans ce secteur-là. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de voir que Archilab est aussi une des réponses pour une meilleure employabilité des futurs professionnels de l'information documentaire. Merci beaucoup, Alain, pour ce retour. Effectivement, l'AS a toujours été intéressée par les travaux d'étudiants et donc régulièrement, elle propose des mandats pour à nos étudiants, aussi bien au niveau bachelor que master, pour les amener à travailler dans le cadre d'un travail de fin d'études sur des problématiques assez concrètes. Donc, encore merci pour cet intérêt et pour ce soutien qui n'a pas cessé d'augmenter. Merci beaucoup. Monsieur Yossiger, alors comment vous voyez les choses aussi côté coopération ? Bonjour, tout d'abord merci pour l'invitation à cet entretien. Très très intéressante présentation, bravo. Je trouve beaucoup d'éléments intéressants. De mon point de vue, je rebondis sur les paroles de Monsieur Alain Dubois, qui a évoqué plusieurs aspects très très intéressants dans son domaine, notamment au niveau de la collaboration avec les institutions. Il faut savoir que, comme tout le monde est d'accord autour de ces tables, la numérisation a bouleversé les pratiques. Il y a un grand besoin actuellement à ce que les jeunes professionnels qui sortent des écoles soient mieux entraînés et mieux préparés à affronter le monde du numérique. Ce que nous voyons dans notre domaine, nous sommes une société qui avons développé des technologies pour la numérisation de masse. Nous voyons depuis quelques années un engouement énorme pour la numérisation de toutes sortes de collections, archives, mais aussi des collections qui sont vivantes. Cette transition se fait toujours avec dans les dernières années, c'est fait avec un gap, comme on dit en anglais. Donc, il y avait un peu un trou entre ceux qui savaient se préoccuper des archives papier et ceux qui savaient se préoccuper des archives au format numérique. Ce que je salue avec votre démarche de création de l'Archilab, c'est que on va un petit peu plus loin aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait initié il y a quelques années avec des étudiants qui venaient visiter notre entreprise pour se familiariser avec les technologies de la numérisation, donc de la filière d'information documentaire. Cette fois-ci, vous prenez en main avec des outils concrets la possibilité de faire un training en local dans vos locaux pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre un document ou une liasse ou une collection et puis la passer au travers des différents outils nécessaires à la numérisation. Donc, la collaboration que je salue avec nous, en l'occurrence, c'est que d'un départ d'il y a quelques années qui était un peu ponctuel, maintenant on s'oriente vraiment vers vers un laboratoire qui va permettre aux jeunes professionnels de mieux affronter le futur. Monsieur Alain Dubois a parlé aussi cet aspect des professionnels qui doivent pouvoir rebondir sur le monde numérique. C'est clair que notre entreprise, au sein de cette collaboration, peut apporter beaucoup de notions sur les bonnes pratiques. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut envisager, mais il y a des bonnes pratiques qu'on peut aussi prendre, qui sont un raccourci vers le résultat. Ce que nous voyons actuellement avec beaucoup
d'institutions qui s'adressent à nous avec des petits projets qui commencent ou qui se prolongent parce qu'ils grandissent. Ils ont commencé avec une première étape, maintenant une autre étape. C'est que des professionnels d'aujourd'hui qui étaient étudiants de votre filière par le passé viennent s'adresser à nous pour nous dire Monsieur Siguer, nous avions fait une expérience intéressante. Pouvez-vous nous conseiller de nouveau sur comment aborder tel ou tel aspect de notre projet? Et je peux dire que sur les années, sur la période qui s'est passée, nous avons vu cette transition entre l'école et les mêmes personnes dans le professionnel qui se sont mis en route sur ce chemin. Donc, la mise en application des notions, les bonnes pratiques et les exemples concrets de projets en cours que nous avons peuvent servir à guider, à rebondir ces jeunes professionnels dans le monde qui les attend. Un grand merci. Je note tout de suite cette dernière idée que je la prends comme proposition déjà. Un grand merci effectivement pour cette ouverture à nos étudiants. Vous l'avez déjà avant fait. Et je suis contente que vous êtes en train de renouveler cette possibilité. Au niveau des bibliothèques, qui ne sont pas loin des archives, en particulier pour la BGE, Monsieur Sardé, comment vous voyez la coopération et l'importance de la coopération dans nos domaines? Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. On a effectivement, compte tenu de nos forces aussi, nos moyens humains et financiers, on chevillé au corps la notion de partenariat, ce qui va bien au-delà de la collaboration avec un institut de formation, mais pour dire que ça rentre dans une démarche nécessaire aussi pour des raisons d'organisation de nos institutions culturelles, de nos moyens de financement généraux, et des effectifs dont on dispose pour faire le travail. Travailler seul, ça devient vraiment une source d'impasse. Donc, la collaboration et le partenariat, c'est vraiment un ADN à cultiver, je pense, pour toutes ces raisons, et bien évidemment pour l'intelligence collective qu'on peut tirer de la confrontation des idées. La BGE, enfin la Bibliothèque de Genève, c'est une institution patrimoniale qui est effectivement assez hybride puisque son histoire remonte au XVIe siècle avec une dimension de conservation multiforme. La séparation des musées viendra beaucoup plus tard avec la fin du XIXe et le début du XXe siècle. On est aujourd'hui non plus une bibliothèque universitaire, mais vraiment une bibliothèque de référence, je dirais patrimonial, un peu comme une bibliothèque cantonale, même si on relève d'une administration communale, ce qui est une particularité aussi genevoise. Et dans ce cadre, la profondeur des collections, il y a à peu près 2 millions de volumes imprimés dans la collection, et des centaines de milliers de manuscrits qui témoignent d'archives privées constituées au fil du temps, les plus anciennes étant des papyrus grecs. Donc, on a une activité hybride, mais qui ne relève pas de l'archive administrative. On n'est pas du tout en lien avec la question de la gestion du records management et de l'archivage historique de la production d'une structure administrative comme le sont des centres d'archives. Il existe des archives à la ville de Genève pour s'en charger. Donc, notre rôle est aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, Basma, c'est vraiment toujours entre l'hybridicité de nos médias. On est à la fois sur du papier et sur du numérique. On a par exemple la responsabilité des sources iconographiques, tout ce qui est produit aujourd'hui, et ça commence à arriver, les fonds documentaires photographiques en numérique natif commencent à nous être proposés. Donc, au lieu d'avoir, je dirais, des cartons dans lesquels on trouvait des tirages, des contre-types, des négatifs, enfin, tout ce qu'on peut imaginer du monde analogique en termes photographiques, aujourd'hui, c'est des disques durs. L'autre jour, il y avait un article dans une revue qui parlait du vrac numérique. On n'est pas loin de ça.
Donc, c'est un enjeu pour nous double. Hein. Numériser pour rendre accessibles les collections historiques, analogiques, et bien évidemment, être en mesure de disposer de méthodologies et de capacités quand même internes à traiter par algorithme de l'information numérique native. Ce qui suppose, et ce que le disait Alain, une sacrée révolution dans la configuration des profils, des postes auxquels nous sommes, je dirais, auxquels nous étions habitués. Donc, c'est très bien si la HEG attire aussi et sait attirer des jeunes, je dirais, motivés par l'algorithmique, parce que malgré tout, on n'y échappe pas, hein, préparer des fichiers pour les balancer dans une base de données, etc. Si on doit attendre les services informatiques d'une administration publique pour le faire à notre place, on comprend qu'on soit lent. Voilà. Mais plus que lent, ça devient des fois dantesque. Donc, il vaut mieux arriver à internaliser quand même certaines choses. D'autres, bien évidemment, on suppose des financements. Monsieur Yossiger le sait bien, sur des projets de masse comme la numérisation de la presse dans laquelle on est engagé, où c'est 2,5 millions de pages qu'il va falloir acquérir pour les mettre en ligne. Il est évident que c'est des recherches de financement ad hoc et que ça n'entre pas dans une politique de numérisation interne. Mais tous les traitements numériques doivent être maintenant intégrés et on a besoin de gens dans les formations HES qui soient capables de faire le pont entre, je dirais, une maîtrise raisonnable de l'outil numérique avec une maîtrise, je dirais, honnête, pas d'ingénieur informaticien, mais disons honnête, algorithmique, pour résoudre des traitements numériques et des échanges entre une base de données, un tableur, enfin des choses comme ça. Voilà, ça c'est, je dirais, le point de départ. Ce qui me semble intéressant par rapport à Archilab, et là on pourra en discuter bien évidemment dans le futur, je ne prends pas, je fais pas de promesses que je ne pourrais pas tenir, mais on a notamment dans la bibliothèque de Genève un centre de compétences avéré, vivant, en matière de conservation préventive et restauration. Et je dirais que là où c'est, dans la perspective d'Archilab, le plus important, c'est la conservation préventive. En gros, la manipulation des objets qu'on va destiner à la numérisation, puisque si j'ai bien compris, c'est quand même un atelier qui doit permettre de travailler à de la numérisation. Et numériser les objets, c'est aussi les manipuler. Et nous, on est là pour les préserver, c'est notre mission. Et donc, on est assez rigoureux, et on espère pas handicapant, mais en tout cas rigoureux dans la façon d'envisager le traitement, de la manipulation même des objets qui vont être numérisés. C'est quelque chose qui n'est pas non plus, je dirais, incommensurable, mais qui mérite un minimum d'échanges, de discussions et de formation, et là aussi d'ateliers. Donc, pourquoi pas imaginer une collaboration avec vous pour améliorer ces compétences aussi de la part des jeunes qui vont ensuite se retrouver évidemment, pour certains, hein, dans des institutions comme celle que je dirige ou dans des archives publiques, bien sûr. Donc voilà, ça c'est des choses auxquelles on pourrait aisément imaginer des accueils, des démonstrations, voilà, des échanges de vues ou des participations à des séminaires chez vous. Ça me semblerait bienvenu pour vivifier nos connaissances réciproques. Le reste, je dirais, c'est redondant de ce que ont pu dire mes collègues. Mais le fait est que on est toujours désireux d'être associé je dirais même très ponctuellement, hein, on ne cherche pas à prendre en charge des formations, mais d'être associé à la vie de l'école, pour soit pour des mémorants, soit pour des séminaires, pour mieux, je dirais, échanger entre les jeunes et les institutions qui fonctionnent, pour que chacun se connaisse mieux et que la formation soit inscrite déjà dans des repères mentaux sur les conditions de travail qui vont exister. Parce que le monde des bibliothèques, c'est un champ, c'est presque un océan. Hein. De la même manière, si vous êtes dans des archives hospitalières et que vous êtes en archives publiques, vous n'êtes vraiment pas sur les mêmes mondes non plus. Hein. Donc, il y a vraiment une grosse diversité dans nos pratiques. Le numérique
fait converger un certain nombre de besoins. Moi aussi, ce que je remarque, et là, M. Yossiger ne va pas me contredire, je pense, c'est les transformations de nos normes perpétuelles. Quand vous disiez les bonnes pratiques, on est dans une enflure, je dirais, d'exigence qui n'a jamais été aussi forte dans l'histoire de l'archivistique en termes justement de préservation, d'exigence, de contrôle. Hein. En fait, on est perfusé par le contrôle interne, vous savez. Quand on est dans l'administration, on est bassiné par le contrôle interne. Bientôt, on sera comme dans les banques avec un employé et un contrôleur pour un employé. Donc, ça devient un peu dantesque. Je ne suis pas un grand fan de tout ça. Je suis pour une rationalité et une efficience. Mais on est vraiment dans des enflures qui, des fois, tournent à des surcoûts qui deviennent prohibitifs pour une institution et aussi potentiellement pour les entreprises mandatées. Je ne vais pas aller plus loin dans le débat, ce n'est pas le but du jeu, mais c'est quand même un contexte dans lequel on évolue. Et pour vous, moi, je suis navré, je n'ai pas pu être présent tout au début, et je vous prie de m'en excuser. J'avais plutôt une question à vous poser à Archilab, c'est par rapport à l'évolution même du matériel que vous aurez, c'est-à-dire comment vous arrivez à pouvoir le renouveler justement par rapport au transformation du numérique. Hein. Moi, j'ai commencé l'archivage audiovisuel sur des cassettes numériques en 4:2:2, et puis maintenant, on est avec des productions 4K, le 8K s'annonce en télévision aussi. Donc, voilà, on change tout le temps dans ce monde. Les formats pivots, on a bien du mal à les faire vivre. Donc, comment vous voyez les choses par rapport à un atelier équipé et comment vous voyez les choses en termes d'évolution de cet atelier m'arrête. Effectivement. Merci beaucoup, Fred, pour ce retour et puis pour ta vision également. Et puis surtout pour cette question, parce que ça va m'aider un peu la vie pour les prochaines années. Alors, pour avoir le financement, on n'a pas trop parlé de ça. Je dois vous avouer, je ne voulais pas faire trop peur à la direction. Mais effectivement, le plan de développement futur de ce labo est un point crucial, surtout si on parle d'infrastructure. Tout de suite, on est dans des enveloppes assez importantes. Je dois vous avouer que pour les prochaines années, c'est-à-dire 5 années, on n'envisage pas l'ajout de matériel et infrastructure de manière conséquente. On compte sur aussi toujours, et encore sur l'appui de la direction, on va devoir prouver que ça marche évidemment, et on va compter sur un modèle d'autofinancement également avec les petits mandats qu'on va pouvoir réaliser. On devrait garantir un peu le fonctionnement de ces prochaines 5 années surtout. J'ai mentionné dans les objectifs secondaires en particulier, le lien et l'intérêt avec la recherche. Et là, je dois vous dire qu'on a déjà commencé à explorer les fonds possibles du côté du Fonds national, le Fonds suisse de la recherche, donc l'FNS, pour déposer déjà des applications, des dépôts de demandes de projets, de financement dédiés à l'infrastructure de la gestion des données numériques. Et la thématique de la numérisation est très, très, très bien accueillie à ce niveau-là. Je vous avoue qu'on ne va pas travailler sur le dépôt de cette demande tout de suite, mais c'est quelque chose qui est prévu absolument. Merci pour votre retour. Si vous permettez, on peut prendre peut-être des questions. On a dépassé le temps. Le débat était très intéressant, mais on se permet d'avoir peut-être des questions. Quelle piste de collaboration possible entre les musées et le secteur des archives? Alors, Jacques, je pense tu seras bien placé aussi peut-être de répondre à cette question et de faire un retour sur les collaborations qu'on a pu faire peut-être. Oui, alors, on a déjà l'expérience d'avoir collaboré en effet avec les équipes d'étudiants avancés de BASMA. Il y a là, on peut séparer différentes choses.
nous avons, il a été question de la, des contrôles, etc. Nous avons de la bureaucratie qui s'accumule. Alors, voilà un corpus qu'on peut serrer, nos archives produites par nos activités. On peut parler de fonds qui sont des arrivages plus, plus récents. Et donc, un fonds de collection bien circonscrit peut être étudié pour une période donnée par un groupe d'étudiants et quand ils sont bien, bien encadrés, quand le protocole est bon, ça peut donner d'excellents résultats, ça peut aboutir à une publication et c'est en tout cas un très bon bénéfice pour la, la meilleure connaissance et la meilleure classification de la collection. Alors, les liens entre ces archives et le musée sont nombreux puisque chez nous, presque tout ce qui est exposé relève du document écrit. Donc, le document écrit, ça va depuis le papyrus, le parchemin, le manuscrit autographe. Ça va dans les imprimés, mais il y a différentes catégories. Il y a, les, il y a des incunables, il y a des imprimés plus récents, etc. Chaque fois, il faut adapter l'approche. Il y a des papiers, de façon très surprenante, des papiers imprimés récents qui sont beaucoup plus cassants que des papiers qui supportent presque tout, qui sont de la Renaissance, etc. Tout ça, il faut le connaître, ça implique des liens de travail extrêmement féconds, extrêmement intéressants entre les historiens du livre, les historiens de la bibliophilie et d'autre part, précisément, les équipes qui nous permettent à la fois d'opérer ces classements, mais également de les opérer avec une informatique, un outil informatique que tout seul, nous ne serions pas en position de dominer. Merci beaucoup. Une autre question peut-être qui arrive? Ok. Combien d'étudiants le programme peut-il prendre? Quelles sont les conditions pour adhérer au programme? Existe-t-il de bourses d'études? Alors, le programme, on a, comme on l'a dit, il y a deux programmes qu'on gère ici à la HEG au niveau de la filière information documentaire. Il y a le programme d'études du master et le bachelor. Et au niveau bachelor, on enseigne surtout l'archivistique et on parle d'une quinzaine à peu près de cours. Au niveau des bourses, à ma connaissance, il n'y en a pas pour l'instant. Comme a dit René, éventuellement, on peut envisager des écoles d'été ou encore des cours en ligne, tout à fait. Le nombre d'étudiants, on a une cinquantaine au niveau des premières années actuellement. Et au niveau du master, on a 38 étudiants en tout. Sauf erreur. Une autre question, si c'est possible. Là, on court derrière le temps. Alors, bonne question. Quels sont les logiciels de numérisation utilisés dans l'Archilab? Pour cette étape de démarrage, on a favorisé les outils ouverts, donc les logiciels libres. Pour faire plus ou moins un peu globalement et vous donner une idée très générale, on a essayé d'identifier des outils qui seront utilisés dans différentes fonctions archivistiques. Alors, au niveau de la description, évidemment, il y a les outils disponibles comme Atom. On a également, au niveau de l'évaluation et de classement et de classification, il y a Archifiltre, il y a Archiclass. Et on va essayer de faire aussi des comparatifs. On va amener les étudiants à étudier, à regarder de près un peu
les fonctionnalités, les avantages, les limites au niveau de la numérisation et de l'OCRisation. Donc, c'est surtout, pour l'instant, on a eu quand même quelques licences pour COFAX et également on est en train d'explorer les autres outils ouverts, les logiciels ouverts. Et ça, c'est effectivement, donc actuellement, on a un groupe d'étudiants qui travaille sur un comparatif de logiciels qui va être utilisé dans notre labo à partir de septembre. D'autres questions, peut-être, si possible. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une autre question, une dernière, avant de passer à un petit mot de clôture? Le document électronique avec tous les problèmes de préservation qu'il pourrait causer, peut-il jouer son rôle à long terme comme le document papier? Alors peut-être, je passerai la parole tout de suite à Alain qui est très bien placé aussi de parler de ça. Je sais que c'est une thématique très, très intéressante pour tous. Et comme ça, on peut passer également le mot de la clôture avec l'Association des archivistes suisses. Très bien, merci beaucoup pour cette question qui mériterait finalement plus que quelques minutes de réponse. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut en faire un pari sur l'avenir par rapport à la question de la préservation numérique, puisque le recul que l'on a par rapport à la pérennisation de l'information ne se situe pas au-delà d'une génération. En revanche, il y a un élément qui pour moi est important. Dès le moment où on fait de la conservation d'archives, qu'il s'agisse de documents sur papyrus comme à la Fondation Bodmer, sous forme de parchemin, sous forme de papier ou sous forme électronique, on doit prendre en compte la question de la durabilité. Et quand on va préserver l'information numérique, eh bien, on doit avoir cet objectif de durabilité. Et la durabilité, elle consiste en quoi ? Elle consiste simplement dans le maintien de la lisibilité des données en tant que telles. Donc, nous, notre travail en tant qu'archiviste, ça va être simplement de garantir la lisibilité de l'information pour pouvoir la transformer au fur et à mesure de l'évolution des formats. Et ce que j'aime bien, c'est que cette nécessité d'être attentif au patrimoine électronique ou numérique que l'on conserve permet de remonter aussi aux fondamentaux même de la conservation du patrimoine. Conserver le patrimoine, c'est s'inscrire dans une chaîne dont nous ne sommes qu'un des maillons. Et l'objectif que l'on a, c'est de prendre en charge la mémoire qui a été transmise par nos prédécesseurs, de collecter la mémoire d'aujourd'hui et puis de la transmettre à la génération qui suit. S'il y a des ruptures de chaîne avec des supports physiques, il n'y a pas de problème, on arrive normalement à récupérer cette information. Par contre, si on a une rupture d'un maillon dans la chaîne de la transmission de la mémoire sous forme numérique, eh bien, au contraire, là, on risque vraiment de perdre irrémédiablement cette information. Donc, la responsabilité de l'archiviste, qui est une responsabilité éthique pour moi, c'est vraiment de mettre en place tous les outils nécessaires pour qu'on puisse maintenir cette lisibilité de l'information numérique. À l'heure actuelle, on sait le faire sur des serveurs. On vient aujourd'hui avec des technologies, notamment autour de l'ADN. Je ne suis pas persuadé pour moi que ça soit vraiment la solution, puisqu'il faut de toute façon toujours un outil technologique pour pouvoir décoder cette information-là. Mais moi, je prends le pari qu'aujourd'hui, le document électronique peut également jouer un rôle sur le long terme comme un document papier pour répondre à cette question. Oui. Je crois que M. Yossiger. J'aimerais, merci M. Dubois pour cette réponse très, très claire. J'aimerais apporter une facette complémentaire à ce que vous avez dit. Dans cette image très 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 bonne que vous avez donnée
du maillon de chaîne que nous sommes pour transmettre plus loin, il faut remarquer que donc le document numérique nous offre quelque chose de très particulier que ne nous offre pas le document papier, c'est la capacité de le dupliquer à moindre coût. Par exemple, une archive numérique peut être dupliquée, répliquée sur un autre site, sur un autre média, alors qu'une archive papier, c'est extrêmement difficile. Donc, une des routes qui est devant nous pour assurer la migration, c'est aussi d'assurer une certaine réplication. C'est une façon d'aborder le problème. Au lieu de garder une seule copie, un seul original, on peut très bien, c'est ce que fait Google avec les différents sites au travers du monde, avoir plusieurs copies qui sont là. Et encore une fois, ce n'est pas un substitut au problème de lisibilité, c'est simplement pour garantir que cette information ne soit pas perdue. Donc, c'était pour répondre à cette facette que vous avez annoncée. Tout à fait d'accord. Certainement pas, on n'a pas fait le tour de ce qu'on voulait aborder, très certainement. Le temps nous presse et c'est frustrant. On vous promet d'autres rendez-vous, suivez-nous donc sur notre page Archilab. Je profite pour remercier sincèrement, mais vraiment, tout le monde ici autour de la table pour avoir dégagé du temps malgré les agendas très, très, très chargés. Ça indique un investissement, une ouverture et une belle, vraiment, donc ouverture à la coopération future et de très, très belles choses à monter ensemble. Je profite de la fin pour vous annoncer deux bonnes nouvelles déjà qui démontrent un peu ce qu'on est en train de faire au niveau de la coopération. Dans 10 minutes, on enchaîne avec une autre discussion virtuelle toujours pour initier dans cette semaine internationale des archives une collaboration avec l'école de sciences de l'information de Rabat du Maroc. Et deuxième bonne nouvelle, on va également initier un projet d'envergure avec l'aide du Conseil international sur le montage d'une cartographie d'experts dans le domaine de l'archivistique, y compris les experts de la numérisation. Encore merci, on compte beaucoup sur votre soutien et votre appui dans les prochains mois. J'ai tout noté, les promesses ou les quasi-promesses, on revient vers vous pour poursuivre notre belle collaboration. Encore merci pour l'équipe de l'ICEA et on vous retrouve avec plaisir dans les prochains rendez-vous. Merci beaucoup. Merci.